Bonjour et bienvenue sur Tuto gratuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter une extension gratuite pour Google Chrome. D'accord? Donc, c'est le browser qu'on utilise pour surfer Internet. Donc, cette extension va vous permettre d'enregistrer l'écran de votre ordinateur. Et oui, juste avec une extension, on va pouvoir enregistrer l'écran de son ordinateur sans avoir à installer un logiciel. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Et moi, j'utilise cette méthode-là maintenant. Donc, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Pour y avoir accès, il va falloir aller cliquer sur les trois petits points qui se trouvent là. Aller dans plus d'outils, extensions. À ce moment-là, je clique ici sur extension et je vais aller ouvrir le Chrome Web Store. Ensuite, je viens taper Loom Video Recorder, comme ceci. Et il se trouve là, évidemment. Donc là, vous cliquez sur extension, c'est une extension. Donc Loom Video Recorder, et vous ajoutez à Chrome. Moi, c'est en vert, c'est parce que c'est déjà ajouté. Vous, ça sera en bleu, évidemment. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un beau petit bouton qui se trouve ici en haut à droite. Lorsque vous allez cliquer la première fois dessus, il va vous demander une petite configuration, c'est-à-dire une inscription. Donc moi, je me suis logué via mon Gmail account. Et donc, vous faites comme vous voulez à ce moment-là. Lorsque je vais lancer le premier enregistrement, en cliquant dessus, la première fois, vous allez avoir une petite caméra ici. Et donc, cette caméra, il va vous demander si vous voulez enregistrer tout l'écran et partager l'écran. Vous dites oui. Et vous aurez probablement à gérer, vous cliquez sur « Gérer » en dessous, pour gérer le micro, pour qu'on puisse vous entendre. D'accord? Donc jusque-là, rien de très compliqué. Vous avez vu que ça prend même pas 2 minutes pour l'installer. Et vous pouvez directement enregistrer vos vidéos pour YouTube, pour Dailymotion, pour votre blog, pour ce que vous voulez. Et généralement, il fait des vidéos qui sont de très très bonne qualité. Et au niveau de la taille, ça pèse quasiment absolument rien du tout. Une fois que c'est fait et que votre vidéo est enregistrée, il va automatiquement la mettre ici. Ok? Donc là, vous me voyez, mais ce que je peux faire, c'est rétrécir le petit logo. Donc ça, c'est une sorte de petit menu que je peux balancer. Je tiens à rappeler que Loom vous permet aussi d'enregistrer l'écran et la caméra. Si j'avais une caméra, évidemment, vous me verrez ici. Donc là, pour le moment, moi, j'ai pas de caméra. Donc, c'est simplement mon logo puisque je me suis logué, encore une fois, je le rappelle, via mon Gmail account. Donc là, c'est Loom, c'est-à-dire qu'une fois que vous enregistrez votre vidéo, automatiquement, elle vient s'uploader sur leur, on va dire, sur leur hébergeur à eux, leur style de YouTube ou Google Chrome, comme vous pouvez l'appeler. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, je télécharge la vidéo, tout simplement. Je télécharge la vidéo et j'efface la vidéo par la suite. Comme ça, une fois que c'est téléchargé, je peux, à ce moment-là, la uploader directement sur YouTube, les amis. Vous avez vu? C'est facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous n'avez pas besoin d'un logiciel pour enregistrer l'écran de votre ordinateur pour vous lancer dans YouTube ou Dailymotion ou toute autre activité. Voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner et évidemment de partager. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.